Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler ensemble sur le module 17, la séance 1 des mathématiques. Alors, on va commencer par une petite activité de géométrie. Il faudrait que tu prennes une ardoise avec un feutre d'ardoise ou bien une feuille et un crayon. Je vais te présenter pendant 30 secondes une figure. Tu vas bien l'observer, tu vas bien regarder le nombre de côtés, etc. Ensuite, elle va disparaître et il faudra que tu la reproduises sur ton cahier ou sur ton ardoise. Attention, tu es prêt? Voici la figure à reproduire. Observe-la bien. Observe-la encore, elle va bientôt disparaître. Voilà, elle a disparu. Maintenant, essaie de reproduire cette forme sur ton ardoise ou sur ta feuille. Ensuite, tu corrigeras avec papa et maman. Papa et maman peuvent appuyer sur pause le temps que tu réalises l'exercice. Voilà, maintenant que tu as travaillé sur la géométrie, nous allons passer au calcul mental. Donc aujourd'hui, nous allons calculer 25 plus 15. Tu peux utiliser, et je te conseille d'utiliser, tes barres de dizaines et tes cubes d'unités. Alors, je te laisse prendre le matériel nécessaire pour faire 25, pour faire 15 et pour essayer de voir combien ça fait 25 plus 15. Papa et maman peuvent appuyer sur pause le temps que tu réfléchisses. On va corriger maintenant. Alors, 25, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, c'est 2 dizaines et 5 unités. Pour 15 maintenant, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 1 dizaine et 5 unités. On commence toujours par s'occuper des unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va échanger les 10 unités contre une nouvelle dizaine. Donc tu peux voir que 25 plus 15, ça fait 40 puisqu'on a 4 dizaines et 0 unités. Voilà, maintenant tu vas travailler sur ton cahier ou sur ton ardoise pour faire les exercices que la maîtresse a demandé à papa et maman par mail. Donc tu vas d'abord travailler à faire des additions en ligne à deux chiffres. Alors pour rappel, quand on fait ça, on pense à bien entourer les dizaines et les unités et on commence toujours par les unités. Par exemple pour 23 plus 14, j'entoure les dizaines, je souligne les unités, je calcule d'abord 3 plus 4, ça fait 7 unités, 2 plus 1, ça fait 3 dizaines, 23 plus 14, ça fait 37. Voilà, en faisant pareil, en entourant les dizaines, en soulignant les unités et en commençant bien par les unités, tu vas calculer les calculs que papa et maman te marqueront sur une feuille ou sur l'ardoise. Quand tu auras fini tout ça, tu pourras faire la fiche de chronomate 7. Papa et maman vont chronométrer pendant 3 minutes. Tu devras faire le plus de calculs possible. Voilà, travaille bien et à demain.